Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis Zarkolt en direct et de retour sur Aragami parce que ça fait bien une semaine. Ouais, une semaine que j'ai pas joué. Et du coup, je vous retrouve pour la suite du chapitre 8, Le Vieux Sage. Je sais plus du tout, mais alors plus du tout ce qu'il faut faire. Tout ce que je sais là, c'est que je vais lancer le chrono. Et que j'espère que j'arriverai à boucler ce chapitre en 20 minutes. Je pense pas que ce soit possible, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Non, je ne sais absolument pas ce qui se trouve derrière et... T'aurais pas un bug de son? Oh! Serait-ce la dernière mission du jeu? Parchemin. Ça, c'est un meurtre kunai. Night Witch. Oh! Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je dis Night Witch, c'est parce que. Pour une raison toute simple, en fait, j'ai regardé JoJo's avant. JoJo's Bizarre Adventure. La version Crazy Demon. Hein, celle qui sort en ce moment. Putain. Qui m'a vu? Et en fait, voilà quoi, c'est les stands, tout ça, moi j'adore, je kiffe Jojo, c'est un point, mais c'est juste pas permis. Il y a un troisième, ça va commencer une question du coup. Night Witch, plongée de la nuit. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé que j'appellerai mon stand, enfin, le stand de l'Aragami, Night Witch, parce que... Parce que la nuit, les ombres, tout ça... Night Witch te plonge dans la nuit noire. Et oui, il faut absolument que ce soit le nom d'un groupe. Parce que c'est la tradition JoJo's Bizarre Adventure aussi. Un stand ne peut être nommé que par un nom de groupe. C'est la tradition. C'est parce que le mangaka était un grand fan, un grand amateur de musique. Et du coup, voilà. Night Witch, plonge-le dans les ténèbres. Puis j'aime bien, moi, ça fait stylé. Je passe dedans. Voilà. Pouvoir casser ça sans problème. Quelconque. Ah, une entrée. C'est à l'étage. Night Witch. Non. Non, je suis désolé, ça ferait des très bons stands quoi. D'ailleurs, si vous connaissez pas le jeu de Bizarre Aventure, je ne peux que vous... Oups. Genre, ils m'ont entendu, quoi. Je ne peux que vous le conseiller. Vu que c'est vraiment un...
Un manga que je trouve, c'est à mon goût et à mon sens le meilleur manga shonen que j'ai vu. Croyez-moi, j'en ai vu. Hein. Oubliez One Piece et tout. Hein. Tout cela n'est qu'une une pâle référence à JoJo's Bizarre Adventure. Nightwish. Salut! Plus si on prend vraiment les pouvoirs de la Ragami, il serait tellement craqué comme stand. Imaginez. Un stand qui peut vous déplacer là où se trouvent les ombres, qui peut dissimuler les corps, qui peut créer des objets en ombre. Non, c'est craqué. Ça, c'est Nightwish. Oh. À mon sens, c'est complètement craqué. Parce que voilà quoi, le machin, c'est un minimum discret. Merde. Puis Nightwish, je vais poser des pièges. Pour tuer à distance comme ça. Et malin le Nightwish. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Non, pas pour monter sur le mur. Ah, je peux dire un truc. Yes! Ça, c'est cool. Retournons tout. Ah d'accord. Ah. Intéressant. Oh, il serait tellement craqué comme ça. Après, c'est moi, moi j'adore faire ça, donner des noms à la con. Alors, j'ai pas envie de prendre le kunai ni ça, le Kurosuna. Par contre, le meurtre à son nom, je le fais assez souvent. Et comme j'ai 6 points, je vais prendre ce qu'il me reste. On va te mettre le meurtre ascendant. Et je pense que je vais prendre la récupération rapide parce que comme j'utilise beaucoup trop les pouvoirs d'Aragami. Les pouvoirs de Nightwish. Ah non, je m'en lasse pas. Avec Rose, ok. Ok, ça devrait le faire. Nightwish te plonge dans les ténèbres. Par où? Savais que c'était une mauvaise vidéo. Une mauvaise vidéo. Oui, sûrement. Voilà. Non, mais je savais que c'était une mauvaise idée
de regarder une Jojo avant de faire une vidéo. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai pas fait, hein. Ça, je suis un inconscient, un imbécile, moi, comme ça. J'aime bien ça fait. Leur petite boule de lumière est très chiante. Mais j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment. Garde de la lumière, justement. Discrétion? Vous avez demandé de la discrétion? Où ça? Le pire ninja du monde. Mais c'est pas grave. C'est le pire ninja du monde. Merde. Ouf, je le tue celui-là. Sinon. À se rendre compte de quelque chose. Et ça, jamais. Nightwish. Oh, chou. Il serait pas si craqué que ça, vu que ce serait un stand de corps à corps et tout. Putain, il y a du monde en plus. Oh, Night Witch, la plongée dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait le rituel. On a fait le sacrement noir? Quelqu'un a appelé la confrérie noire ou quoi? Toujours les références. Ah, dans le grand bâtiment, d'accord. Non, faut y entrer. Comment je rentre là-dedans, moi? Non, pas encore besoin. Qu'est-ce que... Il y a deux boules qui flottent là. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est, de ce que ça veut dire. Dans le contexte, dans l'espace et le temps. Night Witch, plonge-le dans les ténèbres. Je m'en lasserai jamais. Je suis trop Jojo's fan, quoi. T'as un archer, mon gars. Nightwish, je vais dissimuler ton corps et je n'aurai aucun problème. Oh. Attends, ça faut tenter. Ah merde. Mais c'est le même en fait. Ni. Allez viens.
Viens, fils de pute! Voilà, tu m'as saoulé. Nightwish. Oh. Le parchemin sacré. Des lois de l'aragami. Première loi. Tu utiliseras l'ombre. Deuxième loi. Personne ne te repérera. Ou alors il mourra. Oh. Je m'amuse beaucoup trop, je le sais. Mais bon. Night, oui. Mais... La cage pour rentrer dedans. Heureusement qu'on joue pas à Metal Gear, putain. Sinon, moi je vous le dis, il y aurait des problèmes. Nightwish te plonge. Pam 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 pam. Pam pam pam. Mais garde ici. Ce crétin a dû aller à la taverne. Oh non, j'aurais dû le laisser le con. Bon, tant pis, Nightwish l'a plongé dans les ténèbres. Faut pas en avoir marre, hein. Je suis juste trop con. Allez. Ça, j'adore ce coup, il est stylé, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce coup est juste tellement stylé. Tonga. C'est vrai, faut que je peux pas. Ah d'accord. Ah non d'accord, c'est juste pour dire tu vas là, tu vas tuer quelqu'un. D'accord. Je peux comprendre comme ça moi. Je sais pas, moi quand je vois du rouge, c'est pour dire tu peux pas y aller. Oh, histoire. En fait, l'histoire rien du tout, en fait. Mais. Qu'est-ce que un bâton? Me le dire. Karine? Je vous connais, oui, je me suis mis à Dragon Ball aussi, ça tue mon temps libre, mais un truc de mal. Non, il y a vraiment le bâton de Karine de Dragon Ball. Oh. Oh, le maître de Corosso. Une nouvelle vision. L'essence jaillit de l'âme. Les êtres sans âme ne pourront jamais en générer ni la contrôler. Oh. Aragami, tout va bien? Que t'as fait cette vision? J'ai vu Maître Tsuyoshi. L'homme qui a enseigné aux membres de Kaio la technique qui leur a permis de vous capturer, toi et ton apprentrice. Ce sont ces mots. Hein? Comment? Je le sais, c'est tout. Comme dans le mausolée, ce sont sûrement les souvenirs du général.
Tsuyoshi est un ennemi de Nishoku. J'ai vraiment. Non, les noms japonais c'est dur à transcrire, putain. Mais son savoir était bien réel. Il a transmis une grande partie de ses connaissances au chef du Kaiju. Et ses mots. Hein? Crois-tu que j'ai une âme? Des anciens parchemins contiennent des informations au sujet de l'âme d'un Regem. Je ne crois pas. Tu crois que c'est important? Oui! Bien sûr! Ne vois-tu pas? Mon essence des ondes, elle ne provient pas du rituel avec lequel tu m'as invoqué, elle provient d'une âme. Si je n'avais pas d'âme, je n'aurais pas d'essence. Mais à qui appartient-elle? D'où vient-elle? Je ne suis pas humain. Les âmes ne passent pas comme par magie. Non, mais les créatures ont des âmes. Peut-être que je suis la réincarnation de quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je pense depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le début du jeu. Je me sers de l'essence des ombres et d'une épée comme si je l'avais toujours fait. Mais ça m'est venu naturellement dès que je suis apparu. Est-ce parce que je suis un Araigami ou parce que l'âme de quelqu'un d'autre fait partie de mon être? Quelqu'un sait. Quelqu'un qui sait contrôler l'essence des ombres et manier l'épée de son vivant. Et si. Aragami, attends un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi. Tous ces souvenirs se bousculent dans ma tête. Qui ne m'appartiennent même pas. J'essaie simplement de savoir qui je suis. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Je comprends. Ne t'en fais pas. Tu vas me prendre pour une incapable. Je t'ai invoqué, mais je ne peux même pas répondre à des questions les plus simples. Tu sais, tu as peut-être raison. Un Nargami est peut-être la réincarnation d'un guerrier mort. Tu faisais partie de la. Mais. De Nishoku dans une vie antérieure. C'est pour ça que tu sais te servir de l'essence des ombres. Ah, Nishoku était entièrement peuplé de guerriers des ombres. Oh, oui, enfin, tu me diras, ça c'est logique. Ne t'inquiète pas, nous finirons par savoir ce que tu es vraiment. J'en suis sûr. Mais pour le moment, il faut que tu regardes. Il faut que tu gardes la tête froide. Je ne veux pas te voir faire la. Je ne veux pas te. Je ne veux pas te voir perdre la face à Ikeru. Ah, perdre face à Ikeru, d'accord. Oui, oh, tu sais, hein. Je suis un player. Oh! Oh! Parfait! Génial! Mais on est pile dans les temps! Oh! Score 1, j'étais invisible. Mes couilles. Mais c'est pas grave. Mais c'est parfait ça, messieurs et mesdames. Je vous annonce que cet épisode est fini. Et que je serai très heureux de vous retrouver dans la suite d'Aragami, qui sera le dernier capitaine. Chapitre 9. Oh. Oh, et. Est-ce que j'ai moyen de voir. Non. Dis-toi. Ah, j'ai pas moins. Oh, la baise! La baise! Je veux pas les. Ah oui, Oni, mais. Peaceful. Oh, la baise! Bah, je ne peux pas. Je ne peux pas voir les parchemins. Je suis sans lancer une session de jeu. Donc, du coup, le jour où je vous lirai les parchemins, il faudra quand même que je lance une session de jeu. Bon. Moi, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster dans les commentaires, à en parler autour de vous, parce que ça fait plaisir. C'est énormément plaisir quand on voit qu'on a plus de 10 vues sur une vidéo. Et du coup, je vous dis à plus pour un prochain épisode d'Aragami. Allez, au revoir.